que Jésus là, c'est pas amusement. Quand vous allez voir manger le micro là, vous allez prendre ce micro, c'est lui. C'est ça qui le suit. Amen. Donc, je ne sais pas si même Dieu est présenté. Si Jésus présente, moi je n'ai jamais le suivi. Amen. Quel sorcier il n'a jamais vu? C'est pour lui. Il a tout vu les sorciers, les plus dangereux, les sorciers qui veulent les prendre. En deux minutes, il va te manquer comme prophète. Il va dire, tes os, bras. Tes cris n'ont pas plus de toi. C'est un conseil de lui. C'est un sorcier qui essaie de me faire un peu. Mais quand même, vous dites des choses à un moment vrai. Ça guérit. Le bien l'a fait dans le tour. C'est un spirit sorcier sur mes yeux. Il est cuit, il est d'ailleurs assis dans son pays. Moi, je suis tétain, je cherche sorcier, les gens parlent, tout ça. Même moi, je viens dans le village, ils les cherchent. Et dans le village, ils sont les régales. Moi, quand je suis dans le village, nous, dans trois jours, je commence à vous chercher. Le troisième jour, mais dans vos maisons, vous parlez. Donc, on commence à parler, tu es peureux là. Les sorciers, bizarres, bizarres, là. Et ils viennent vite, 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 parler. Et dans le nom de tous, dans la, les aveux, son nom est sorti dedans. Dans les aveux, son nom est sorti dedans. Et je l'ai vu, il était assis sur la terrasse. Il t'a suivi. Il savait qu'il allait me le prendre. Il était là, il s'est bien préparé. Quand j'ai marché un peu, j'ai fait au moins quelques pas, mais puis on commençait à se mélanger. On a jeté le fil. Le regarde. Lui, mais regarde. Je voulais boucher. J'ai commencé à avoir vertu. Le plus il est 54 versets 17. On lui parlait du tout, âme, torse, quand tout le monde sera sans le tout. Pas, je suis parti vers lui. Il a dit, allons-y comme je dis. Parce qu'il vient d'échapper à quelque chose tout à l'heure. Il ne me pose même pas les questions. Je ne me pose question, alors tu vas me délivrer. Parce que ce qui est encore fort. Va me délivrer. Il y a un joint. Il y a sorcier et puis il y a sorcier. Amen. Alléluia. Et quand je vis une expérience comme ça, je me mets dans une consécration. C'est comme une promotion, c'est comme l'onction augmente dans ma vie. Et je cherche à savoir pourquoi ce gars a pu me résister. Et quand c'est comme ça, là, c'est une vie malgré. Amen. Donc il y a un père sorcier. Il peut s'amuser un moment. Quand j'ai fini dans un autre village, une sorcière voulait me prendre. À Guéoville plutôt. On est en plein séminaire à Guéoville. Dans une église, on décompte, à plein pays, et la plus grande sorcière s'habille de la ville, elle adore le dragon. Quand les pasteurs viennent, tu vois, quand en plein culte, c'est moins bien manger. Elle se lève en plein culte. Elle s'est levée comme ça, son humeur est crevée. Et voilà, elle a commencé à se lever. Ah, mais oui. Moi, je ne suis pas n'importe qui, toi, tu as venu manger, pourquoi? Quand je viens jouer, moi, les petits attaques. Puis elle migrait, je cherche à prier pour ça, je cherche à paracétamol, je ne suis plus à ce stade-là. Amen. Dès qu'il me touche, il y a une réaction, quelque chose réagit directement. Amen. Mais c'est comme ça que vous devez. Amen. Parce que tu te mets dans l'abri du Très-Haut, Amen, tu réponds à l'ombre de tout. Quelqu'un qui te touche, là, Dieu le châtie en même temps. Amen. 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 Mais Dieu protège, ce n'est pas quelque chose de crasseur, non. C'est quelque chose de demeurer dans le. Quand il demeure dans le Seigneur, c'est le dépôt de Dieu. C'est tout. C'est-à-dire, mes parents disent que non, laissez un peu les parents dire. J'ai dit, nous, en tant que chrétiens, chez nous, là, c'est la Bible. Si tu regardes la Bible, ce que tes parents disent n'a rien à voir la Bible. Pourquoi c'est ce que les parents disent? Parce que si les parents vont te mettre à l'état. Je ne veux pas le Seigneur. On dit amen. Amen. Les sorciers ne pourront rien faire. C'est parce que tu ne te mets pas dans le Seigneur. Et quand tu commences à te frayer, tu as peur. Amen. Vous savez, quand tu, on commence à te frayer, que tu as peur. Ça, si tu ne connais pas la puissance de ton Dieu. La gueule, ça va? Tu es prêt maintenant. Tu n'as qu'à te délivrer. Hein? De quoi? Elle dit de la délivrer. Tu n'as qu'à te délivrer. Enlever. Enlever. Tu n'as qu'à enlever ça. Hein? De quoi tu veux? Hein? On était dans le bureau là. On a commencé du camp, déjà ici, du camp. J'ai gagné maintenant. Ça te dépend. Ou bien ça t'énerve ce qui est. Tu es fâché.
Mais réponds-moi bien. Ce que tu as là, c'est une maladie chez moi. On peut t'enlever ça. Tu vois là? Hein? Où est papa, maman français? C'est là. Hein? C'est pas petit chez vous, avez. Il y a quand même lui là, c'est quoi? Hein? Il. On va mettre petit chez toi. Tu veux? Maintenant, tu veux? Avant-moi lui. On va mettre quoi? D'accord. Avant-moi lui. Comment il nous fait? Ça, là, c'est qui? Voilà. On est lui là, c'est quoi? On va faire une petite expérience avec la Vierge. Christophe me regarde. Hein? Vous demandez au monsieur qui est derrière là-bas. Là. Il connaît le pouvoir de l'huile. Monsieur, ça va? Ça va? Hein? Ça va? C'est la dernière rencontre. Aujourd'hui, on va prier. On va être pour rester nos mains ici. On va prier et puis Dieu va te délivrer. On va aider votre maman. Dans ma tête de délivrance, là, il y a deux choses. Ou la personne tombe, ou la personne est délivrée. Et moi, je sais bien les faire tomber. Je sais bien faire tomber les gens. Donc, tout ce que Dieu. Je vais faire ça tout à l'heure. Tout ce que Dieu demande de nous, c'est de demeurer dans le Seigneur. Amen. Si tu avais des petites choses bizarres, façon basse, j'ai que ça. Si tu avais des petits bracelets pour te protéger, tout chité. Si tu avais des petites choses bizarres, ou bien quelque chose que tu as enterré dans la foule, tout cela, il n'y a rien de temps. Tu as rien à rien. Où est-ce que je dedans? Comment il est venu pour les 3-5 heures qu'on a eu? La chair humaine dedans. Je suis allé à Touba, à Bondoukou. Mais les gens ont mis un petit. Je suis allé déterrer les petits. Quelqu'un m'a foudroyé. Les petits chouettes à la maison. Ils ont venu déterrer. Vous savez, les petits chouettes, les sorciers. La sorcellerie, c'est comme une science. Elle est évolue tout aussi. De toute façon, nous, on a Bluetooth qui fait tout corps, par image. C'est comme ça pour eux. Maintenant, elle ne crée plus. Hein. Tu n'as pas le temps d'aller prendre pioche, mais il crée. Il ne peut pas l'attraper. Le temps qu'il va faire, toi là. Donc, ils font quoi? Ils prennent les fétiches, ils font des incantations, puis ça rentre sous la tête. Quand c'est comme ça, pour aller détruire, c'est difficile. Ils font leur point. Dans notre pratique, par moment, ben, chaque homme de Dieu a son don. Moi, c'est mon don. Il rentre dans la cour, il est tourné autour de la cour. J'ai vu que la chose n'allait pas à musulman. Je suis allé me charger dans la prière. Quand je suis sorti dans la cour, de la couture de la chambre, j'ai localisé la chose. Et puis, ils ont commencé à craquer, parler en langue vers celui qui est aux gens creusés. Ils se sont éloignés, ils ont commencé à creuser, creuser. Et généralement, quand on touche la chose, ça projette tout ce qu'on creuse. Là. Donc, quand on a commencé à projeter, ok, ça y est, ils ont trouvé la chose. Quand j'ai mis ma main, ça commence à moi-même me piquer. Ça m'a piqué. J'ai tout fait pour prendre. Mais si je ne prends pas, moi-même, ça me tue. Ah, le prophète dit, on n'a qu'à venir déterrer. Vous savez ce que je vais faire de déterrer. Je suis à la vie et à la mort. Vous êtes content, vous êtes à passer. Amen. Amen. Je voulais aller déterrer puis qu'il est loin. Mais comme j'ai des missions matin, bonheur. Mais quand tu déterres plus comme ça, là, pendant 2-3 jours, semaine, tu es fatigué, ça t'a faibli. Le pouvoir du Dieu, ce n'est pas amusement. Donc, je déterre la chose, je vois. Qu'on appelle crapaud, et puis 4 aiguilles. Ah, donc vous avez vu. Vous êtes pas, vous êtes pas. Et puis un tel de serpent, et puis il y a le café, puis canari, puis il y a ce flèche. Dans le crapaud, tout ça, petite flèche, tout ça. Dans le crapaud, tout ça. Avant, le monsieur était à la prison, il a fait 2 semaines. Ils ont dit non, c'est plus. Alors, il a mis dans une petite cuisine, il a voulu déjà dépenser des millions de dollars. Et effectivement, au bout de son cou, il ne parlait plus. Ses reins étaient bloqués, tout ça. Et quand il a pris la chose, je suis venu là. Quand il y avait le crapaud, on a vu le crapaud, on a récupéré le crapaud, on allait chez lui. Et c'est devant lui, hein, il y en a les aigus. Ah, quand il y en a les 4 aigus, il a commencé à parler. Il a dit, si, si, si. Là, il s'est relevé. Pour jouer le pouvoir du diable. Amen. Et j'ai parlé, mais où est son lit, hein? Ses maisons de fétichères. C'est son lit.
Tout sort des canaries. Ça fait l'envie passer. Malgré ça, il dit, mais vous disiez, il prend chapelet, il dit, vous laissez ça là. Qui vous êtes? J'aimerais voir les chrétiens, ils prennent chapelet, ils sont devant moi. Je dis, arrête-moi ta comédie. C'est chant par chant, qu'on vient d'arriver, qui prédit canari, qui peut même en plus bâcher. Il a honte. Mais comment tu peux mélanger Jésus à un fétiche? Il t'a vu. Pourquoi Dieu te protège pas? Ben si, Dieu, il y a une protection, il va penser que c'est le fétiche. Donc Dieu t'a lâché. Tu as vu que Dieu a tué son cessez-là? C'est là qu'il s'est converti, véritablement. Amen. Amen. C'est là qu'il prend chapelet, il veut me faire croire qu'il notre Père qui est. Il faut arrêter tes conneries. Notre Père qui est le ciel, que ton nom soit sanctifié. Il faut arrêter tes trucs. Quel nom de Dieu doit sanctifier? Quand il sanctifie le nom de Dieu. Oui, c'est même ça que le nom de Dieu doit sanctifier, que ton règne vienne, que ta volonté soit. Je dis, monsieur, il faut arrêter ta comédie, ton prix. C'est dans ta maison, la neige, que tu serais un petit chef. Ta maison, c'est ça. C'est grand. Amen. Amen. Mais comme il n'est pas Jésus, les pieds qui sont mis contre lui, là, ça l'a pris. Amen. Maintenant, si vous demeurez, hein? Demeurez dans le Seigneur, lui, on le trouve, et tout à suite, c'est votre protection. Vous voulez protéger, demeurez dans le Seigneur. Amen. Même si on veut vous dire non, vous êtes plus sous trop, non. Dites qu'il y a un temps, Dieu. Il sera sorti un jour de cette situation. Dis amen. Il sera sorti un jour de cette situation. N'allez jamais chez un marabout. N'allez jamais chez un divin. N'allez jamais de l'autre côté. Jamais. Il n'y a pas de protection là-bas. La seule protection se trouve dans le Seigneur. Dis amen. Amen. Si on peut l'acclamer, Jésus, notre Dieu. Demeurez dans le Seigneur, c'est tout. Si vous demeurez dans le Seigneur, vous allez voir la main de Dieu se manifester dans vos vies. Amen. Oui. Vous savez que les hommes des Arocos sont prêts aujourd'hui à nous rendre ces témoignages. Justement, là-bas dans ce village où ils savaient plus que moi d'ailleurs, dans le village, les gens mouraient en cascade. Mais depuis que nous sommes dans ce village, c'est fini. C'est fini. Depuis, il n'y a jamais eu la mort d'un jeune. C'est les vieux là sont passés, la mort est naturelle, donc il faut que les gens meurent. C'est les vieilles personnes qui meurent. Monsieur, vous pouvez venir, venez, on va finir avec votre dossier. Comme je disais, elle vient de. C'est Paris, tu es à Paris, c'est ça? C'est elle à Paris. On va finir avec le dossier. Non, monsieur, attendez. Même si c'était ton Shibuya avant. Maintenant, là, c'est plus ton mouton. Arrête-toi ici. Moi, c'est un chouette qui a venu partir. Mais il y a peut-être difficile de parler. Amen. Depuis que tu es venu ici, on ne t'a pas frappé. Au contraire, même, c'est moi-même qui te donne à manger. Parce que c'est ce qui est en toi là que je n'aime pas, sorcellerie. La gourou là, tu t'as donné. Comment tu as c'est qui t'a donné sorcellerie? C'est la paupière là, c'est qui t'a donné là? C'est ça que je suis en train de combattre tout le temps. Parce que depuis que tu as donné la sorcellerie, toi tu manges. Voici cette femme, comme je l'expliquais hier, elle est sur le Skype. Et son fils est rentré en contact avec moi parce que sa mère souffrait. Elle était agonisante. Et comment faire difficilement parler? Difficilement. Elle était sur le point même de mourir, elle attendait même la mort. Et j'ai dit aux gens, attendez que deux jours, appelez-moi. Et puis après, il m'avait dit, oh, je suis convaincu que Dieu veut la guérir. Donc on a commencé la prière. Et c'est sur le Skype qu'elle a commencé. Un jour, deux jours. Et c'est moi qui ai commencé à dire, parce qu'elle ne mangeait plus. J'ai dit, la dame, mange. C'est depuis, et puis elle s'est réveillée. Je peux voir, tout comme les gens, comme c'est un jour, devant moi. Vous allez voir la photo, donne-moi le portable. C'est... Voilà. Donc elle était très souffrante. Elle avait des plaies partout sur elle. Vous aurez l'occasion de voir ça tout à l'heure. Et la personne est partie. Je ne sais pas, je vais laisser mon sac. Elle est partie. Elle doit avoir parti mon sac. Oui, dans le sac, elle va envoyer ça tout à l'heure. Ceux qui étaient là hier ont vu la photo.
la photo de sa maladie, l'état de sa maladie, cette balade, on avait sur sa photo. Ça n'allait pas du tout, elle était sur le point de mourir. Quand on a fini avec la chose, elle a quand même s'est réveillée, elle a commencé à manger. Elle dit, ok, le chef m'a dit, c'est ça où c'est le tout. Il faut que j'arrive au village pour que je fasse ta délivrance. Pour parfaire ta délivrance. C'est comme ça que je suis allé ici. En temps, la famille était déjà venue ici, sa fille a fait longtemps pour avec moi. Sa fille, qui est la femme, c'est Stéphane, le footballeur, là, Marie-Claude, c'est vraiment ta femme. Donc elle est venue. MC, voilà. Voilà. Donc elle est venue me voir ici, on a commencé à prier. Elle est venue le monde, parce qu'elle voulait vraiment servir. Elle va avoir une longue vie, ta fille. Elle aime bien sa maman. C'est ce qui m'a plus marqué, quoi. Donc j'ai dit, pardon, le monde qui est envoyé, on ne peut pas le faire délivrance à tout le monde. Entre les pasteurs et les pasteurs qui ont dit, non, c'est le voyage, ils vont mourir, il faut laisser les pasteurs qui vous blaguent. Moi, j'allais prendre le sorcier. Et arrivé au village, à Issia, j'ai rencontré le monsieur qui est son père. Dieu m'a donné même pas l'intelligence, la sagesse. Parce que déjà, il était d'abord absent à la maison. On l'avait déjà appelé pour dire à quelqu'un qui venait, tu dis que tu es sorcier, donc dis non. Donc, déjà, j'ai même position. Ok. J'ai une autre stratégie. Je prends, j'ai dit, je suis venu, mon juge. J'étais dans ma tenue de maréchal, d'ailleurs, en tout rouge. Quand vous voyez dans ça, là, c'est dangereux. Voilà, ma tenue de maréchal. Je suis descendu dans la cour. J'ai vu le vieux, on a épousé. J'ai dit, mais sorcellerie. Il est levé là. Il dit, non, je suis pas venu, t'es vite, t'es sorcier. Je suis venu détruire tes sorciers. Je suis venu d'appeler lui. Il dit, bon. Lui, tu vois là. J'ai consacré ça pendant des jours. J'ai parlé, j'ai consacré lui. Voilà, la voici ici. Vous savez son témoignage, voilà, la voici ici. Très bien. Je vais faire ça. Voici les plaies qu'elle a. Elle aura le carreau de montrer ça tout à l'heure. Voici les plaies. Pour elle, c'est un miracle. Hein. Voici les plaies. Elle aura le carreau de montrer ça. Voici l'état. Elle est malade, malade. Voilà. Tu es malade là. S'il te plaît. S'il te plaît. Va te déranger pour moi. Non, c'est là pour te. T'es là pour témoigner. C'est que là, tu as vécu là. C'est pas tout le monde qui s'en sort. Soit ici, on va venir te manger. Voilà, vous voyez. Voilà, voici, voici. C'est cicatrisé. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? J'étais là. Oui. J'étais sur Skype. Le monsieur est en train de manger ça. Il mangeait sa couture, son arachide, son graine, tout ça. J'étais sur ses choix. Je suis allé dire, bon monsieur, faut faire. Et quand je suis arrivé dans la cour, j'ai commencé moi à parler à la terre. Parce que c'est ce que Dieu m'avait inspiré. Plus je parlais à la terre, là, revenait. Plus je parlais à la terre, quand je suis descendu, j'ai commencé à parler. Parler. Maintenant, il fallait affronter le sorcier. Je parlais avec lui. Vous savez, moi, là, je n'aime pas la sorcellerie. J'aime l'homme. Lui, là, c'est un ancien sorcier. Il est avec nous ici. C'est le plus dangereux des grands sorciers. Ils l'ont chassé du village à cause de sorcellerie. Son frère m'a montré le pistolet. Pour lui, il avait le tuer. Un magistrat, oui. Il a le tuer. Eh bien, c'est un sniper. Il aime son s'arrachit des couteaux yam. Mais aujourd'hui, là, tu n'aimes pas savoir que c'est lui. Ça veut dire que l'homme change, je l'ai récupéré. Ses parents disent c'est vrai, il est délivré, mais nous, on ne veut même plus de vie. C'est bon. Nous, on le prend pour cadeau. Mais je l'ai récupéré, c'est un être humain. Il y a des gens qui veulent vivre, tout ça. Donc, je ne suis pas contre l'être humain. Je suis contre la sorcellerie parce que ça tue nos gendarmes, nos policiers. Sambeuil, nos magistrats, les gens les plus câbles de la famille qui vont venir, que vous nous mangez. Et que vous appauvrissez l'Afrique comme ça. Vous enterrez les gens. Et c'est ce que nous combattons d'ailleurs. Donc j'ai dit au vieux, verse lui. Je suis venu attaquer tous les sorciers de la famille. Je l'avais dit, lui, il dit, ok. Donc il m'a dit, ok, verse. Quand il a versé, il dit, si tu es sorcier, ça ne va même pas te louper. Mais si tu n'es pas sorcier, rien ne va t'arriver. Si tu as versé lui là, tu as 3 mois. Oh, il est chaud, il verse lui. Il dit de faire pour sa femme, on a fait pour sa femme. 3 mois après, il est venu tout. Il s'est déshabillé, il m'a acheté, il parle, il dit sur lui.
Maintenant, on s'est rendu, ah, ce que tu as dit au but là. C'est arrivé, hein. Non, elle ne devait pas mourir en tout cas. Non. Parce qu'en fait, ce qui m'a plus marqué, c'est sa fille, son fils, sa fille. Les gens trouvent tout le moment qu'il fallait faire quelque chose. Et c'est ce qu'il fait. Quand sa fille m'a vu là, elle dit, tu veux combien? J'ai dit non. Ce n'est pas l'argent, elle était tombée. Elle t'a dit pas dit ça aussi, non? Sa fille m'a regardé, elle dit, ça fait combien? Ben, je suis venu sauver ma maman. J'ai dit non, ce n'est pas une question d'argent. Moi, j'ai venu sauver ta maman. C'est le don que j'ai reçu de la part de Dieu. Oui, elle s'est vraiment engagée. Et le retour, elle a envoyé des chants, tout ça. Je suis allé le vieux de l'histoire. C'est vrai qu'elle s'est relevée. Mais on a fait le retour à mon voyage. Dis amen. Amen. Il est tombé malade, c'est sûr. Ses pieds étaient enflés. Tout ça, c'est commencé à guérir. Amen. C'est pour dire que la chose n'est pas mauvaise. Non, mais c'est ce qui mange l'homme là, que moi j'aime pas. Donc sa fille est venue. Dieu a commencé la délivrance, elle est guérie. Mais en même temps, il faut que ça soit total sa délivrance. Elle doit se retrouver. Elle doit se retrouver. Et tout doit maintenant marcher. Mais tout sera entre ses mains. C'est vrai que c'est la main du Seigneur. Mais il y a une nature à l'opposé. Vous savez, chaque homme de Dieu a sa grâce. Chaque homme de Dieu a sa manière de travailler. La Bible dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 6, il y a une diversité d'opérations. Pour moi, il y a une manière de travailler. Est-ce que tu es prêt à libérer ta fille? Okay. Qu'est-ce que tu as fait à Lily? Il est versé la maladie sur elle. Très bien. Au lieu de pas Lily, c'est intéressant. Tu avais quoi? Il est versé la maladie sur elle. Faut bien expliquer verser la maladie. Faut expliquer. Quand j'ai dit j'ai versé maladie chez elle, c'est-à-dire, quand tu appelles au téléphone, il ne répond pas. Elle ne répond pas. Quand toi tu l'appelles, elle ne répond pas. Oui, quand elle voit mon numéro là, elle coupe ça. Donc, je suis passé par son frère même. Que tu as mangé là. Même. Ah, Oro, que tu as mangé là. Oui. Lui, il a mangé son frère. Lui qui décroche son téléphone là, tu es passé par lui. Non, pas lui-même. Ah, Oro, non. J'ai Aourou. Que tu as mangé. Que j'ai mangé là. Quand je lui appelle, il faut dire à ta sœur de décrocher le téléphone. Et puis, elle dit, la sœur fait quoi? Non, elle a dit, il a dit que façon que tu le fais là, que il te fait là, c'est ce qu'elle me fait aussi. C'est Aourou qui dit ça. Qui a dit Aourou? Vas-y, calme. Non. Qui a tué Aourou? C'est moi. Lui, il décroche, c'est à cause de ça, là, elle peur. Mais lui, a-t-il la raison? Celui qui décroche en son existence. Vous avez compris? Lui qui décroche, là, Aourou, t'as jamais donné l'argent? Si. Elle m'a donné. Aourou. Il m'a donné 200 000 francs pour faire plantation de viande. Maintenant, malgré ça, tu l'as mangé. Hein? Il ne parle pas de lui. Et il doit 200 000 francs. Hein? Tu vois la tristerie. Vous voyez, c'est pour ça que nous commandons la sorcellerie. Et c'est tout bête. Pourquoi quelqu'un te donne 200 000 et celui qui cherche à que tu manges? Pourquoi est-ce que tu dis? Tu as tué combien? J'ai tué 5. Depuis que tu es sorcier. Je suis sorcier. Depuis que tu reconnais. Oui. Tu reconnais. Tu n'ignoreras pas ça demain. Tu ne vas pas nier demain ta sorcellerie. Non. Pourquoi on a quitté ici, puis tu as dit non. Bon, tu sais que. Est-ce qu'on t'a frappé pour parler? Non.
Quand je suis arrivé premier, Pardon. On ne parle pas de premier. Est-ce qu'on t'a forcé pour parler? On t'a forcé. Réponds-moi. C'est oui ou non, est-ce qu'on t'a forcé? C'est pour me faire sortir tout de suite. Il a tué combien de personnes? Il a une personne. Dans les Trois de ses enfants. Il peut donner le nom de ses enfants. Aouya. Irenia. Adelia. Adel. Ce sont les trois là. Les enfants. Les deux enfants. Ce sont les sœurs. Donc tu as tué trois enfants, deux sœurs. Oui. Comment tu t'arranges pour tuer? Aouru, là, comment tu l'as tué? Aouru. On pouvait voir le sou. Il a pris son cou. Il a tapé. Et maintenant, quand il est mort, il paraît. Comment il est mort? Il n'a pas été malade. Moi, mes filles, je suis venue à ma femme. Le week-end, là, il a une copine qui a perdu sa maman. Il m'a appelé, je suis allée avec lui. On a passé tout le week-end ensemble. Il dit, moi, je suis fatiguée. Je rentre. Dimanche, j'étais avec mon petit frère. Lundi, il m'appelle, il me dit, ah, j'ai mal à la tête. Je dis, bon, il faut aller voir ta tension. Parce que les maux de tête, souvent aussi, parce que grossissait. Je dis, va voir ta tension parce que tu as pris du poids. Il va, mardi, on l'amène à la prise. Il m'appelle, la grande soeur, tu es où? Je dis, non, mais je suis là. Enfin, lui-même, quand je suis venu, il m'a amené chez un prophète, mon petit frère. Donc, je vais les lire, le prophète a tout ça chez moi. Maintenant, c'est comme ça. Il m'a appelé, à ce moment-là, hospitalisé à la prison. Je vais à la prison, je dis c'est quoi? Il me donne ça la main à la tête. Du coup, je vois, il a commencé à saigner du nez, de la bouche. J'ai paniqué. Je ne peux rien faire, j'étais impuissante. Le gars, ton médecin. Donc, je prends un taxi. Lui-même m'a amené, le prophète me donne l'huile. Il dit si tu vas, tu essaies d'ouvrir sa bouche et puis tu baisses l'huile. Je dis, s'il faut s'envoler, je viens. Mon petit frère est plus sur le lit d'hôpital. Je demande à sa femme dit, on vient de le chercher parce qu'il s'est bien tué. Je vais voir le médecin. Il me dit, il n'y a pas un garçon. Je vais parler à un garçon. Je dis, non, mais dis-moi si c'est le petit frère. Moi, je vais. Il dit, non, on a besoin de nous. Donc, mon petit frère, Ange, je l'appelle, dit, tiens, je te sens. Oh, mon petit frère, il dit, ça. Comment il s'est tué? Il n'a pas été malade. Il n'a pas été du tout malade. Après un an, il est mort hier. Comment tu l'as sauvé? Il a lancé un bois sur sa nuque. Ouais, il a sauvé. Il a sauvé. Maintenant, c'est là. Quels sont les gens qui lui l'ont gâté? J'ai gâté celle-là. Ouais. Et puis, Hortense. Hortense est où? Hortense.